De 1993 à 2014, les petits et les grands ont eu plaisir à retrouver Jamy Gourmaud et Frédéric Courant quotidiennement sur France 3, aux commandes de l'émission emblématique CIST Pas Sorcier destinée à vulgariser la science aux enfants. Depuis sa déprogrammation, les anciens acolytes ont chacun poursuivi leur chemin de leur côté mais toujours dans le même thème. En 2021, Jamy Gourmaud a lancé C'est Jamy, son nouveau rendez-vous scientifique, comme l'avait fait en 2015 Fred Courant. Ce dernier avait à l'époque redonné vie au concept de CIST Pas Sorcier via une plateforme en ligne sous le nom de l'Esprit Sorcier, grâce à un financement participatif. Des années plus tard, Fred Courant est toujours autant passionné et déterminé à défendre les sciences sous toutes leurs formes. CIST ce qu'on comprend à travers l'interview qu'il a accordée au quotidien de la Réunion et de l'océan Indien. Il faut développer la culture scientifique et dire aux jeunes, CIST accessible, déclare-t-il depuis la Réunion, où justement il est en plein dans les sciences de la Terre. J'adore venir ici. Je suis venu plusieurs fois pour tourner des sujets sur le volcan. J'ai également travaillé sur la culture de la vanille, a-t-il expliqué. Un extrait de cette interview a par ailleurs été partagé le 22 janvier sur YouTube. Ce fut alors l'occasion pour les internautes de découvrir un Fred Courant au physique bien différent. En effet, à 62 ans, le journaliste est presque difficilement reconnaissable avec sa longue barbe grise, voire presque blanche, et ses cheveux mi-longs de la même teinte qui se dégarnissent un peu, précisent nos confrères dans leur article. Fred Courant dévoile en outre un look très décontracté composé d'une chemise et d'un bandana rouge noué autour du cou. S'il a assurément changé, Fred Courant reste un visage inoubliable pour bon nombre de fans de CIST Pas Sorcier. Il y a des gens qui me disent merci parce qu'ils ont découvert plein de choses avec ce programme. Certains me disent que CIST grâce à notre travail qu'ils ont décidé de faire une carrière dans la recherche ou l'enseignement. CIST génial. Je leur réponds que j'ai juste fait mon job, a-t-il confié, humble.